On se retrouve aujourd'hui le 7 juin au Golf Club de Villette d'Anton dans un cadre sublime pour notre 4e édition du trophée de golf APRC Mécénat au profit de 6 associations caritatives. La journée du trophée de golf lie plusieurs valeurs qui sont essentielles pour le groupe. La mixité, la solidarité, le sport et l'innovation. Tout ça à travers des associations qui nous représentent très bien. Une très belle journée avec des gens qui ont pris beaucoup de plaisir. Nous aussi, on a pris beaucoup de plaisir. On a accueilli 14 équipes qui ont participé à la compétition de golf avec nos pros. Donc, qui a gagné ou pas, c'était pas l'objectif. L'objectif, c'était vraiment de prendre du plaisir, de s'éclater, de rencontrer de nouvelles personnes, de belles personnes. Et c'est ce qu'on fait aussi avec nos associations. On permet à nos associations en tout cas de se rencontrer, de créer du lien et du lien entre elles pour pouvoir avoir des synergies et de trouver des projets communs. Le partenariat avec APRC nous permet de réaliser de plus grands projets tels que par exemple l'achat d'un robot de téléprésence ou d'amélioration d'accueil des enfants pour leurs examens. Donc avec APRC, on a lancé un appel à projet par an pendant 3 ans pour financer des associations de protection de la biodiversité qui utilisent le sport comme outil de sensibilisation pour les populations locales. Grâce au soutien d'APRC, on peut financer 5 projets sportifs. Cette journée pour nous, elle est importante parce que c'est aussi nous donner la possibilité de présenter nos actions. C'est toujours pour nous un honneur de pouvoir parler de la cause du handicap parce que la cause du handicap, souvent on pense qu'elle concerne que les familles concernées par le handicap, mais en fait le handicap, si on veut que notre société elle avance, en fait il faut que tout le monde soit concerné et sensibilisé pour que justement on aille un peu plus loin dans la question de l'inclusion. Persigone, c'est une piste d'éducation routière citoyenne. On forme les jeunes à la conduite des deux roues, à la citoyenneté, très important aussi, et on est vraiment dans le rapport police-population avec les jeunes, et ça fait vraiment chaud au cœur d'avoir une soupape de sécurité pour pouvoir faire des investissements qu'on ne pouvait pas faire avant. Il y a un côté très humain et j'ai vraiment apprécié la journée de cohésion qu'on peut avoir, et nos jeunes, pour eux, c'est une vraie première de s'initier à quelque chose comme le golf. Comme chaque année, c'est l'occasion pour nous d'inviter nos amis, nos partenaires, nos clients, nos fournisseurs pour un moment d'échange et pour mettre en valeur des associations qui nous tiennent à cœur.